Merci Maddy, j'espère que tout va bien hein, encore et toujours pour vous en ce mardi 23 avril. Je donne la date à chaque fois, ça permet de resituer éventuellement les événements par rapport à ce que je peux dire dans les vidéos, hein, parce que vous savez qu'on oublie. Bon, alors deux questions. La première posée par Sandre qui me demande si ce qui est arrivé à Dubaï, c'est-à-dire les inondations impressionnantes comme vous avez dû le voir, si c'est dû à, pourquoi pas, une justice divine. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui a mal tourné au niveau météo ou autre chose, hein, parce qu'on a aussi, évidemment, la harpe. Hein, vous savez ce que c'est. Attendez, je regarde ce qu'il fait le chat. Il y en a un des deux qui fait des bêtises encore. Ah, mais ils viennent toujours quand je fais des vidéos. C'est incroyable. Bon, alors, je ne vais pas me déconcentrer. Donc, écoutez, on pose la question. Alors, les inondations qui sont arrivés et qui ont fait quand même des morts. Hein. Ils ont eu en une journée, je crois, l'équivalent d'un an de pluie. Ça fait juste comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les inondations à Dubaï? Voilà. Alors, du cristal et les médias. Bon, ok. Bon, pour l'instant, ça ne me dit rien de plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les inondations de Dubaï? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a effectivement une justice céleste hein, parce que, bon, ça peut aussi... Alors, ça, c'est l'inverse, en fait. C'est pas les inondations, mais c'est une situation d'urgence, oui. Un as dans la manche. Ah, c'est marrant, j'ai des trucs de politique, moi, derrière. Un as dans la manche qui est en relation avec quelqu'un de politique. Tiens, tiens. C'est plutôt l'intervention d'un... d'un pouvoir qui a un as dans la manche, donc qui a un joker. Je ne peux pas vous dire, hein, mais ce serait voulu. Alors, pourquoi est-ce que ce serait voulu? Je ne sais pas. Pour créer une situation d'urgence, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une vengeance? Et comment, comment est-ce que ça s'est fait? Bon, par des questions techniques, ça c'est la carte des techniques. Donc, il y a des techniques qui ont été utilisées. Des as dans la manche, c'est un peu comme un joker, si vous voulez. C'est des ressources que l'on a, qui peuvent être cachées, mais qui sont très puissantes. Donc, moi, je verrais l'intervention d'un pouvoir, hein, d'un pouvoir politique, qui a utilisé des techniques pour créer une situation d'urgence. C'est ce que j'ai, moi. Pour créer des difficultés, ça, vous avez la montagne. Ah, encore, hein, regardez. Ça fait deux fois la situation d'urgence. Bon, apparemment, c'est voulu. Bon, c'est voulu. Alors, je ne sais pas pourquoi, par contre. Il y a une intervention humaine due à des interventions techniques, voilà, pour créer une situation d'urgence, on l'a dans les deux cas, et des difficultés. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une vengeance? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des intérêts financiers? J'en sais rien non plus. Donc, pourquoi? On va essayer de voir pourquoi. Là, il y a quand même des victimes. Donc, c'est pour vraiment pour créer, voyez, une situation d'urgence et des victimes. Mais je ne peux pas vous dire la raison. Alors, c'est fait pour enfermer. Vous avez le maçon qui s'enferme lui-même ou qui construit. Hein, tout dépend comment on comprend la carte. Mais moi, j'y vois plutôt pour créer une situation d'enfermement, là. Hein. En fait, je n'ai pas fait exprès. Quand j'ai fait la carte, je voulais justement la construction. Et ma fille m'a fait remarquer, mais il est en train de, il est en train de s'emmurer lui-même. Donc, comme dans la nouvelle de Edgar Poe, la barrique d'Amontillado, un truc comme ça, je crois. Il me semble. Hein. Enfin bref, c'est une vieille nouvelle d'Edgar Poe. Justement, ça parle d'une vengeance. Bon, donc on peut comprendre la carte de deux façons. Soit c'est quelqu'un qui est dans la construction, ou soit c'est quelqu'un qui veut enfermer ou qui veut s'enfermer, vous voyez. Donc là, au vu du contexte, je dirais que c'est pour créer une situation d'enfermement. Je vous explique mes cartes quand même. Alors, pour créer une situation d'enfermement, oui, bon. Alors, le motif. Alors, ça, c'est quand il y a, en fait, je vais y arriver. Un secret qui est éventé. Excusez-moi, c'est toujours pareil. Hein. Quand je suis dans la voyance, vous voyez, j'ai du mal à réfléchir. Ça, c'est en fait une expression en Allemagne, ou en allemand, qui veut dire les Katze auf dem Sack.
Ça veut dire la vérité qui s'échappe. Donc on veut enfermer. On veut enfermer Dubaï. Situation d'enfermement par rapport à quelque chose qui s'est échappé. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose. Ça ressemble à une vengeance. Et créer éventuellement un problème de pénurie. Bon. Alors, quel secret s'est éventé? C'est marrant, il y a des histoires de disputes. Hein. Écoutez, ça ressemble à une vengeance, voilà, d'un politicien que l'on ne voit pas. Puisque j'ai quand même la notion de conflit. Créer des pénuries, créer une situation d'enfermement. Avec, pourquoi pas, la volonté que Dubaï soit obligé de reconstruire aussi. Hein, parce que, bon, vu la catastrophe, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des choses qui soient détruites. Des choses qui se sont éventées et qui provoquent un conflit. Donc, et là, c'est vraiment une volonté, vous voyez, de créer des difficultés avec une situation d'urgence par le biais de techniques. Hein. Donc, c'est un règlement de compte, j'ai envie de dire. C'est assez bizarre, je ne pensais pas du tout tomber là-dessus. Mais il y a un règlement de compte politique. Donc ça voudrait dire que des techniques, et ça c'est vraiment sorti, des techniques ici ont été utilisées. Voilà. Alors c'est vrai que les techniques, elles existent. Hein. Par exemple, les choses dans le ciel pour créer de la pluie. Ça, ça existe. On le sait. Donc ça peut être ça. Bon. Donc c'est des histoires de règlement de compte. Hein. Vous avez vraiment la carte du politicien. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais les cartes sont très parlantes. Bon, alors ça, c'était la première question. Donc mini tirage. Hein. Voilà, cendre. Donc, c'est pas quelque chose de justice céleste, non, c'est la justice des hommes, quoi, mais la mauvaise justice, qui ressemble d'ailleurs à une vengeance, voilà. Alors, le second tirage, en fait, j'en ai plusieurs en tête, mais il y en a un qui va peut-être me demander plus de temps, donc je vais peut-être faire une vidéo à part. Donc, le second tirage, c'est par rapport à ce qui est arrivé à Marc Doyer. Bon, vous savez ce qui est arrivé, hein, le pauvre monsieur, là... qui a perdu sa femme à cause de la soupe. Hein. Enfin, vous savez ce qui s'est passé. La pauvre, elle est décédée en l'espace de quelques mois. Hein. Moins d'un an, en tout cas. Je crois que c'est autour de 6 mois. Elle a attrapé la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est une vraie saleté, hein, pour pas dire autre chose. Parce que vous devenez un légume, n'est-ce pas? Donc, c'est horrible comme mort. Et il a eu, le monsieur, donc Marc Doyer, a eu vraiment la preuve que ça venait bien de la fameuse piquette. Voilà, la preuve par le médecin, la preuve même par les ballots. Bref. Donc, il se bat depuis, hein, depuis donc, ça fait 3 ans. Ouais, dans ces eaux-là, il se bat pour faire reconnaître le fait que la soupe ou la piquette, c'est dangereux. Hein. Et omerta complète. Voilà, complète. Des médias, du gouv, etc. Et donc, Marc Doyer, il avait gardé un ancien numéro de M. Caligula. Il l'a appelé, il a laissé un message. Voilà, qui a été interprété comme une menace. Bon, je vous renvoie quand même à certaines vidéos si vous voulez en savoir tous les détails. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors que son message était complètement normal, anodin et pas du tout menaçant, hein, je tiens à préciser. Qu'est-ce qui s'est passé 2 semaines après? Eh bien, il a eu la visite à 6 h du matin de 15 policiers qui l'ont emmené pour interrogatoire et qui l'ont gardé toute la journée. Ouais, on en est là. Bon. Eh bien, écoutez, on va demander qu'est-ce qui se passe dans la tête de Caligula. Voilà. Alors. Bon, là, il y a un truc. L'inondation. Bah, tiens, on était en train de parler de Dubaï. Bon, là, ça a été mal calculé. Hein. Alors, je parle de Caligula. Hein. Vous savez qui c'est. Les nouveaux venus devineront. Ça a été mal calculé. Et là, alors, une fuite. Ouais. Une fuite, donc ça a fuité. Mauvais calcul et ça, il y aura des conséquences. Vous voyez, ça, il y a une fuite. Donc là, il y a une situation d'urgence qui va se retourner, à mon avis. Comment dire? Il y a quelque chose qui va se retourner, à mon avis, contre Caligula. On va voir. Il y a un dégât, si vous voulez. Hein, un truc qui a été mal calculé et qui va provoquer des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Caligula? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, hein? Voilà, on va voir. Voilà. Oh là là. Bon, vous avez la carte de la colère. Hein. Bon, Caligula était en colère. Voilà. Hein, j'en ai pas 36 000 de cartes de colère, j'en ai qu'une. Il était en colère. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu? Là, vider quelque chose. Mise à sac. C'est aussi ça. Je suis en train de réfléchir. Pourquoi j'ai ça, là? Ça, c'est la carte de... De l'attente, ou alors
du chômage. Ah ben voilà, quand je parlais de mise à sac. Mise à sac, oui. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, pour le conflit. Bon, il était très en colère, Caligula. Vous avez deux cartes de colère ici. Voilà. Donc, ça ne lui a pas plu, le message de Marc, monsieur Doyer. Hein. Et par ailleurs, il veut que les gens... Ouais, d'accord. En fait, Caligula voudrait que tout ce qui concerne la soupe, ça reste, voilà, vous voyez, ça reste... comment dire? Ça reste comme quelque chose de non prouvé et que les gens continuent de dormir. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Il voudrait qu'en fait, on ne trouve rien au sujet de la soupe. Qu'on ne dise rien, qu'on ne trouve rien, qu'on n'en parle pas. Et que les gens continuent d'être des braves petits moutons obéissants. C'est ce que je vois ici. Ça, c'est aussi, je vous ai dit, l'inaction. Donc, il veut en fait que les moutons, enfin pardon, hein, mais enfin les gens qui dorment, continuent à ne rien faire. Donc, il y a vraiment une volonté du Gouv et de Caligula que on ne parle pas de la soupe et des effets de la soupe. Il ne veut rien savoir, voilà. Et ça le met très en colère quand on vient le secouer en disant « Eh mon gars, faut peut-être que tu fasses ton job, laissez-moi rire, et que tu parles de cette soupe qui est quand même dangereuse. » Mais vous avez quand même la carte de la colère qui est sortie, quoi. Donc, c'est un coup de colère, c'est vraiment un coup de colère. Et voilà, il était prêt à tout mettre à sac. Donc, il a piqué une crise, hein. Il a vraiment piqué une crise. Parce que il ne veut pas que la vérité sorte, hein, tout simplement, vous voyez. Donc, on va remettre encore une petite carte pour rigoler. Ah non, mais c'est pas possible, ouais, voilà. Donc ça, c'est les sentiments, vous voyez. Non, mais il s'est vraiment laissé emporter par la colère, quoi. C'est un crime de lèse-majesté, mais c'est vraiment ce qui me vient en tête. Hein. Voilà, vous voyez. Il ne supporte pas que... Eh bien, on lui dise, bah écoutez, voilà, monsieur, il faudrait quand même que vous en parliez. Il ne supporte pas qu'on lui dise quoi faire. Donc, ce type est un psychopathe, un caractériel, colère. Et il est prêt vraiment à tout vandaliser, hein, c'est le pillage, encore une fois, pour que la vérité ne sorte pas, pour que ça reste, vous voyez, des cartons vides, circuler, il n'y a rien à voir. C'est exactement ça. Bon, d'accord. Bien, alors on va regarder du côté de Marc Doyer maintenant, hein. Alors, j'ai pas besoin de mettre des grandes cartes, hein. Là, voilà. Alors, je vais rajouter encore quelques petites cartes, voilà. Comme ça, ce sera pas des 119, ce sera un peu plus. Il y en a encore quelques petites que j'aimerais avoir dans le jeu. Et puis, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire, monsieur Marc Doyer? Bon, c'est bien qu'il en ait parlé. On va regarder. Alors, là... Ah, bah tiens, c'est justement l'Elysée. Ouais... D'accord. Pour ça, on peut y voir éventuellement les intentions pacifiques aussi. Hein. Bon, il n'avait vraiment pas de mauvaises intentions par rapport à l'Elysée. Hein. Mais pas du tout. Hein. Mais il a raison quand même de dire que bah, il faut quand même en parler parce que faut que la vérité sorte, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire, monsieur Marc? Alors, attendez, il faut que je pense à lui maintenant. Oui, d'accord. Marc Doyer, que va-t-il faire? Ouais, ouais. Ah bah ça c'est la goutte. Ah bah alors d'accord. Bon bah pour lui c'est la goutte qui a fait déborder le vase, hein, là. Là, vous voyez, on ne l'entend pas. Il crie, mais personne ne veut entendre. Personne ne veut entendre ce qu'il a à dire. Donc là, là, il y en a marre. Ouais, vous voyez, là c'est une autre d'autres cartes. Là, il en a marre. Là, il y a encore une situation d'équilibre, mais c'est instable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je crois qu'il est en train de se demander, d'ailleurs. Parce que c'est un équilibre... comment dire? Il est dans une situation d'équilibre, mais... Mais comment vous dire ça? Il en a marre. Il en a marre qu'on ne l'écoute pas. C'est vraiment ça. Vous avez la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour lui, c'est le pompon, si je puis dire. Bon, il a des histoires de croyance ou de foi. D'accord. Belle valeur. Ah ouais, ouais, voilà, c'est ça. Alors, vous ne la connaissez pas non plus, cette carte-là. C'est des politiciens qui vendent des couleuvres à des gens, qui en redemandent. Bon, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que
Eh bien, on vend des couleuvres, les politiciens, et qui vous savez, Caligula a vendu des couleuvres aux gens. Voyez? Donc, il leur a fait avaler des couleuvres, donc, en d'autres termes. Mais bon, vous savez ce que ça veut dire. Eh bien, Caligula a menti. Voilà, il a menti. Et ici, vous avez quand même Jésus sur la croix. Eh bien, Jésus qui dit « Je suis la vérité », ça, c'est une chose. Mais Jésus, il a été crucifié. Donc, il est mort dans d'atroces souffrances, vous voyez? Et moi, ça fait penser aussi à la pauvre Morissette, dont tout le monde connaît le prénom, parce qu'on a tous la pauvre Morissette en tête, hein, une des premières victimes de la soupe, hein, qui a été crucifiée, qui a été, en fait, sacrifiée, j'ai envie de dire, aux vendeurs de couleuvres. Donc là, le monsieur Marc, il en a marre. Il en a marre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, il est en train de préparer quelque chose. Il est en train de préparer alors consolider, de préparer quelque chose. On va voir ce que c'est. Ouais, voyez, par rapport à la sursang. Vous voyez, mon petit jeu, il sort bien quand même. Là, on ne veut pas l'entendre. Il crie, mais on ne veut pas l'entendre. Et là, c'est pareil. Je vous parlais d'omerta. Ben voilà, c'est ça. L'omerta. L'omerta par rapport aux vendeurs de couleuvres. Eh bien là, il en a marre. Donc, il est en train de faire des choses. Hein. Il est en train de consolider quelque chose. C'est-à-dire. Ah ben, il va. Ah ben, on est vraiment dans les questions de Jésus, là. La flagellation. Ben là, on lui a fait du mal, en fait. Hein. C'est à lui qu'on a fait du mal et à sa femme, évidemment. Donc, il va y avoir une riposte, je pense, puisque on voit qu'il est en train de préparer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, je vous dis quand il est en, je vous disais qu'il est en train de consolider. Là, c'est même, il est en train de construire quelque chose. Donc, il est en train de mettre en place quelque chose. Parce que vraiment, vous voyez, il s'est fait fouetter. Donc ça, c'est lui. En fait, c'est lui et sa femme. Hein. Il s'est fait battre. Il a voulu simplement laisser un message très innocent. Hein. Et il est tout à fait dans son droit. Et en fait, les Français sont tout à fait dans leur droit de réclamer des comptes à ces vendeurs de couleuvres là, parce que regardez ce que poste Cauchy-Ésotérisme tous les jours. Même, salut Olivier, je te salue. Eh bien, il y a des décès tous les jours du fait de la soupe, tout le temps. Alors évidemment, Olivier nous poste juste un cas tous les jours, mais sachez qu'il y en a des dizaines voire des centaines par jour. Évidemment, on ne le sait pas. Hein. Voilà, donc il y a eu de la souffrance, il y a eu des victimes innocentes, et donc je pense que M. Marc Doyer est en train de mettre en place quelque chose, vous voyez, une construction, et même de consolider quelque chose. Alors, ça ne me dit pas ce qu'il va faire pour l'instant. Ah, d'accord, ça c'est la carte de la provocation, oui. Alors là, je vois pas trop. On va continuer. D'accord. Bon, c'est comme si, en fait, il était en train de regarder un petit peu. Ouais, il est en train de regarder un peu ce qui est écrit sur la soupe. Vous voyez? Parce que ça, c'est pas des bons personnages, normalement. Il y a de la provocation dans cette histoire. Il y a un danger. Vous voyez? Parce que ça, c'est quelqu'un qui allume du feu dans une station essence. Donc là, il y a une situation de danger qui est encore cachée ou qui est vraiment criminelle. Donc en fait, Marc Doyer considère que le fait de ne pas dire la vérité, vous avez encore la sursang ici, vous avez compris, hein, je ne vais pas vous faire tout le tirage, eh bien considère que ça met en danger, que c'est une provocation, que ça met en danger la population. Donc là, il va partir en guerre. Hein. Là, il va partir en guerre. Alors, attendez. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben c'est encore l'Élysée, d'accord. Alors là, il y a quelqu'un que l'on suit. Donc il va donner une suite. Il va donner une suite. Alors ça, c'est un tourbillon. Alors ça, je ne vous ai pas dit la rose, mais c'est aussi la. Comment dire? C'est la beauté, mais c'est aussi éventuellement ce qui est beau, ce qui est. Oui, ce qui peut s'épanouir, ce qui peut grandir, ce qui peut s'ouvrir. Bon. Alors moi je pense qu'il va donner suite, hein, parce que c'est suivre quelqu'un, il va donner suite à ce qui s'est passé avec l'Élysée. Alors ça peut mettre du temps, hein, parce que ça c'est l'automne, mais il va y avoir un tourbillon.
Bon, alors, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire, mais il va y avoir une riposte. Hein. On va demander qu'est-ce qu'il va faire comme riposte. Hein. Il ne va pas en rester là, apparemment. Ouais, non, 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 non. Je pense qu'à l'Élysée, il faudrait bien. Il va falloir qu'il fasse attention. Hein. Parce que là, il est résolu à montrer les dents, là, vous voyez, Marc Doyer. Là, je vous dis, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Ouais. Bon, ça, c'est Caligula. Hein. Enfin, bon, c'est pas qu'il a un côté angélique, mais on va dire qu'il cache son côté maléfique plutôt, vous voyez. C'est pas Marc Doyer. Hein. Marc Doyer, il n'est pas du tout là. Lui, il est plutôt, voilà, la personne, vous voyez, qui se recueille devant le sacrifice de Jésus, donc le sacrifice d'un innocent. Il est plutôt là, Marc Doyer. Hein. D'accord. Bon. Étant entendu que c'est sa femme, évidemment, qui a été, pas crucifiée, mais sacrifiée, ainsi que tous les pauvres gens, les autres pauvres gens qui ont fait l'erreur de suivre les instructions de qui vous savez. Bon, alors, ouais, alors il y a un tourbillon, une tornade, ouais, donc là, il va provoquer vraiment quelque chose. Alors là, les villes, c'est la population, alors qu'est-ce qu'il va faire? Ouh là là, bon, bah, il est parti en guerre, là. Il va partir en guerre, monsieur Marc Doyer, mais je ne sais pas trop encore ce qu'il va faire. Je me demande s'il n'est pas en train de comment dire, à récolter, de chercher des gens, peut-être, qui pourraient témoigner ou... Alors, est-ce qu'il y a une recherche éventuellement d'argent? Attendez, je réfléchis. Ouais, mais il est, oh là là, il, voilà, attendez, voilà. C'est la même carte que tout à l'heure. Pourtant, je les ai mélangées. Hein. Mais il est parti là pour. Dans une bagarre. Alors, soit il essaie de récolter quelque chose pour entrer dans la bagarre. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut là. Est-ce qu'il cherche de l'argent pour partir en guerre contre Caligula? Ou est-ce qu'il veut récolter des informations? Peut-être des témoignages? Ou est-ce que. Il va demander réparation avec, vous voyez, de l'argent. Parce que là, il y a une espèce de conflit, là. Ça sent la dispute, mais la dispute, la grosse dispute, quoi. Ouais, donc là, choix à faire, là. C'est toujours ce Marc Doyer. Hein. Ah non, mais il veut ameuter la population, là. Bon, il veut se faire entendre. Hein. Là, c'est bon, c'est fini, il a donné, là. On l'a embêté, on l'a harcelé, on l'a... on l'a fait arrêter. Là, c'est bon. Là, il en a marre. Et il va falloir maintenant aller un cran au-dessus pour réveiller les gens, là. Alors, est-ce qu'il veut demander réparation au niveau de l'argent ou qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, là, il est en train de chercher. Oui. Oh là 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 là. Non, alors, c'est pas vraiment de l'argent qu'il veut. C'est plutôt, en fait, vraiment, vraiment punir... Vous voyez, vous avez deux fois la carte du diable. Il veut vraiment punir et faire porter la vérité. Ouais. Là, il veut se faire entendre. Il veut révéler des choses. Ça, c'est les choses qui sont cachées, éventuellement, vous voyez. La lumière dans le noir. Donc, c'est aussi la vérité. J'aime bien cette carte. C'est un peu la spiritualité ou les croyances. Alors, est-ce que c'est les fausses croyances des gens? C'est possible. Mais moi, j'y vois surtout le côté se tourner vers le ciel et demander une aide pour réveiller la population qui dort par rapport à ce qu'elle a dû subir il y a 3-4 ans. Hein. Donc, c'est un peu lui, là, Marc Doyer. C'est lui qui veut absolument, je crois que c'est ça, en fait. Il veut récolter des belles choses. Hein. Il veut que la vérité soit connue. Et là, il va y avoir dispute. Genre, je tente à réfléchir. Est-ce que ça va passer par un procès, cette histoire? Parce qu'il y a quand même quelque chose, là. Est-ce qu'il va porter plainte? Bon, là, ah oui, regardez, on retrouve encore les questions médicales. La dépendance. Bon, bah, il va se battre contre les ballots, hein, je pense. Il va se battre contre les ballots qui sont visibles dans cette carte-là. Et par rapport, certainement aussi... Vous voyez, la dépendance, bah, le fait que les gens, vous voyez, le confinement, voilà. Il va aller en guerre contre l'État, je pense. Hein. Ouais, là, il y a un truc, là. Hein. Alors, je pense qu'il va y avoir un... Oh, ouais.
Ouais, voilà, l'État qui a triché. Vous voyez, là, c'est par contre, c'est la carte de la tricherie. Est-ce qu'il va avoir gain de cause? La liberté, oui. Et les amis. Bon, bah, il va réunir des gens, hein. Il va essayer de regrouper des gens pour les soutenir dans une action contre l'État. Moi, je pense. Alors, des gens ou alors des gens amicaux. Ouais. Est-ce qu'il va demander de l'argent? On va voir. Est-ce qu'il va exiger réparation ou est-ce qu'il veut plus simplement que la vérité soit connue? Qu'est-ce qu'il va exiger? Quelque chose qui grandit. Ouais. Ah, alors il y a des questions d'association. Mais je crois qu'il en avait déjà une d'association là. Quelque chose qui grandit. Il va essayer de rameuter un peu la population, j'ai l'impression. Ouais, bon. Je vois pas pour l'instant les réparations avec de l'argent. Non, c'est pas ça que je vois. Je vois vraiment quelqu'un qui se met au travail. Voilà, qui se met au travail pour faire entendre sa voix, pour faire grandir les questions d'association. Pour révéler le scandale. Et ça va vraiment passer par des disputes avec l'État. Bon, alors, monsieur Mardoyer, bah, écoutez, il est parti en guerre. Hein. Ouais, il est parti en guerre contre celui-là et contre les vendeurs de couleuvres. Ouais, non, là, il fallait pas, là, il fallait le laisser tranquille. Il y a eu aucune excuse, il y a eu aucune. Monsieur Doyer, on est vraiment désolé pour votre femme, je m'en occupe, vous voyez. Enfin bon, d'un autre côté, il ne fallait pas attendre autre chose de monsieur Caligula, hein. C'est évident que ce type, c'est un malade, c'est un fou. Mais là, je crois que j'ai l'impression que c'est comme si Marc Doyer, en fait, n'avait plus rien à perdre. Vous voyez, il a perdu sa femme qu'il adorait. Et là, là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, là. Voilà. Là, qu'on ne veut pas l'entendre. Eh bien, à ce moment-là, on l'a puni pour. On lui a enlevé sa femme. Et en plus, on lui punit en le faisant arrêter alors qu'il n'a absolument rien fait. Vous voyez, Là, il y a un équilibre. C'est comme si, en fait, le point d'équilibre avait été rompu, là, en fait. C'est ça, parce que ça, c'est l'équilibre. Mais avec la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il y a une rupture d'équilibre. Il y a un point de rupture qui a été atteint, là, pour Marc Doyer. On peut le voir ici, dans cette carte-là. Hein. Un homme pacifique, mais il veut qu'on lui rende justice. Et là, non, mais ça va pas bien se passer, là. Alors, ça va mettre du temps, à mon avis. Hein. Mais je crois qu'ils n'arriveront pas. Alors, quand je dis ils, c'est le gouv. Hein. Ils n'arriveront pas à le faire taire. Hein. Non. Alors, il va se mettre au travail et je pense qu'il va y avoir des demandes de réparation financière. Voilà, il y a les banques. Bon, voilà. Donc, on verra bien si j'ai raison. Mais je pense qu'il va y avoir une action, une action justice ou un truc comme ça, parce que j'avais la dispute. Et là, il y a des questions de se mettre au travail et avec la banque. Donc, il y a des histoires d'argent. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je vais en poster une autre plus tard cet après-midi. Je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Au revoir.